Encore que je ne puisse espérer qu'un homme de si peu de considération que je suis doive acquérir une grande réputation, il se peut faire néanmoins que vous entendrez parler du nom de Pétrarque comme on entend quelquefois parler des choses indifférentes ou superflues. Ce texte est de Pétrarque lui-même. Le nom du poète italien est très répandu dans nos manuels littéraires. Il est gravé sur des plaques. On a mis son image en peinture, on l'a statufié, et le verbe existe en français, pétrarquiser. Pourtant, il n'est pas sûr qu'il soit si connu. Nous avons en France, en librairie, une traduction partielle du recueil du Canzonere. Il est dommage qu'elle soit pleine d'archaïsme et, par certains vers, elle semble antérieure au XVIe siècle, bien qu'écrite à notre époque. Il est dommage aussi que ces livres ne renvoient pas à des textes plus anciens, à des tentatives de traduction plus anciennes. En effet, notre ignorance de Pétrarque est d'autant plus regrettable qu'il existe de ses poèmes une très belle traduction par Vasquin Filleul de Carpentras. Voici, pour donner le ton de cette traduction, le premier sonnet du Canzonere. Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond' io nutriva il core in sul mio primo giovenile errore, quand' era in parte altr'uomo da quel che sono, del vario stile in ch'io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà nonché perdono. Ma ben veggio or sì come al popol tutto favola fu gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto è il pentersi, è il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Vous qui oyez les chants ici déduits de ces soupirs dont mon cœur en détresse se nourrissait, fut l'erreur de jeunesse quand j'étais homme autre que je ne suis. Du divers style où mes pleurs je poursuis, du vain espoir et douleur qui m'oppresse, si onc avait senti d'amour la presse, me pardonnerait par pitié tant d'ennui. Mais à présent je vois le bruit qui monte, et de mon mal partout presque on devise, dont bien souvent de moi-même j'ai honte. Honte est le fruit de ma vaine entreprise, et repentance, et le voir sans mensonge, que tout plaisir du monde n'est qu'un songe. Vasquin Filleul est né en 1522. Il sera docteur en droit et chanoine à Notre-Dame-des-Dons. Il résida en Avignon, Paris, Alès, Lyon de 1548 à 1565.
il publiera une traduction en vers français d'un poème latin sur le jeu d'échecs, et en Avignon, puis à Lyon en 1548, les œuvres vulgaires de François Pétrarque, contenant 4 livres à Madame Laure d'Avignon, sa maîtresse. Tout le monde, dans notre XVIe siècle, a pillé Pétrarque, et cela est devenu la Pléiade. Vasquin Filliol, lui, l'a traduit, et il a été condamné à l'oubli. Il est certain que le goût des siècles suivants a beaucoup joué contre sa traduction, et l'abbé de Sade, qui est l'auteur des mémoires pour servir la vie de François Pétrarque, ne sera pas tendre à son égard. Ce livre dont je viens de citer le titre est le second auquel nous pourrons emprunter des textes de traduction, car l'abbé de Sade a traduit la plupart des lettres de François Pétrarque. Il avait entre autres cet abbé qui fut oncle du célèbre marquis de Sade, une autre raison de s'intéresser à François Pétrarque. Il découvrit que l'or était de sa propre famille. C'est donc à Vasquin Filliol et à l'abbé de Sade, ces deux provençaux, que nous emprunterons les éléments de cette vie de François Pétrarque. La nature m'avait pourvu d'un corps peu robuste à la vérité, mais fort adroit pour toutes sortes d'exercices. Je ne me glorifie pas d'avoir eu quelque part à la bonne mine, mais je puis dire sans vanité que si je n'avais rien de charmant en mon visage, j'y avais quand j'étais jeune quelque chose d'agréable. J'étais d'une couleur vive qui tenait du blanc et du noir et montrait ma complexion qui n'était ni trop mélancolique ni trop joyeuse. J'avais les yeux fort perçants. Mais pour parler avec ordre, je naquis à Arezzo, un lundi 20e jour de juillet de l'année 1304, et reçus la lumière à l'aube du jour, et ce qui est remarquable, dans l'exil, comme si entrant dans la prison du monde, j'eusse dû encore y souffrir d'abord le bannissement. En effet, le père et la mère de Pétrarque se trouvent à Arezzo parce qu'ils sont exilés de Florence. Il est curieux de voir comment, dès cette enfance, Pétrarque va avoir à se débattre contre les eaux d'Italie et de France. Lorsqu'il avait 7 mois, il manque mourir dans l'Arno. Il était sur le cheval d'un des domestiques. Celui-ci perdit pied et on repêcha in extremis François Pétrarque. Ensuite, la famille gagne Gênes, puis Marseille, échappant à une tempête. Le bateau fit naufrage près du port de Marseille et encore une fois, on dut repêcher Pétrarque. C'est par terre qu'ils se sont rendus en Avignon. Plus tard, il descendra le Rhône en bateau et connaîtra de terribles voyages sur la Méditerranée. C'est après une tempête qu'il débarquera à Civitavecchia. Toute cette vie semble menacée par ces aventures marines difficiles. Même dans les années 50, quand il voudra repartir vers l'Italie, c'est la pluie qui empêchera son voyage. Il aura peur de mouiller ses livres et ne partira pas. Les seules eaux qui vont lui plaire sont celles de la Sorgue.
Encore que par moments, il est à lutter près de la fontaine Vaucluse contre ce qu'il appelle les nymphes. Elles viennent périodiquement recouvrir le petit champ où il fait ses plantations. Mais c'est près de la fontaine Vaucluse que Pétrarque va établir sa vie à partir de sa 30e année. Pourquoi ? Parce qu'il déteste Avignon. Il déteste Avignon pour des raisons politiques. Il ne supporte pas que le pape préfère cette ville à celle de Rome. Il ne supporte pas que les papes soient gascons. Pour lui, ils doivent être italiens. Et l'abbé de Sade, dans ses mémoires, recueille de plusieurs lettres cette opinion de François Pétrarque sur Avignon. Il nous la représente placée sur le bord du fleuve le plus venteux, perchée sur un rocher escarpé, petite dans son enceinte avec des rues sales et étroites, des maisons basses, mal bâties, servant de retraite aux pêcheurs. La bise qui y règne presque toujours, nous dit-il, en rend le séjour très incommode, et il serait malsain si elle ne soufflait pas. Ce vent renverse les maisons et on le remercie. C'est sans doute ce qui détermina Auguste à lui élever un temple dans le temps qu'il était dans les Gaules. Après avoir rapporté ce passage de Sénèque, Pétrarque ajoute « On prétend que les vivres sont en grande abondance à Avignon. Pour moi, j'ai souvent remarqué le contraire, et je n'ai trouvé de singulier dans cette ville que la boue et le vent. De toutes les villes que je connais, c'est la plus puante. Quelle honte de la voir devenir tout à coup la capitale du monde, où elle ne devrait tenir que le dernier rang. » Pétrarque parlait avec bien plus d'emportement et d'amertume lorsqu'il s'agissait du caractère et des mœurs des habitants d'Avignon, qui lui étaient tout à fait antipathiques. C'est en envisageant cette ville sous ce point de vue qu'il l'appelait l'impie Babylone, l'enfer des vivants, la sentine des vices, l'égout de la terre. On n'y trouve, dit-il, ni foi, ni charité, ni religion, ni crainte de Dieu, ni pudeur, rien de vrai, rien de saint. Quoique la résidence du souverain pontife en dût faire un sanctuaire et le fort de la religion. Il est essentiel d'observer pour l'honneur des Avignonnais que ces traits si chargés et qui font tant d'horreur portaient moins sur les citoyens originaires de cette ville que sur les étrangers avides que la fortune y avait attirés de toutes parts. Il faut entendre cet aveu et cette distinction de la propre bouche de Pétrarque. Ce qui m'a rendu le séjour de cette ville si odieux et pire que tout, c'est qu'elle est un égout où toutes les immondices de la terre sont venues se rassembler. Ce sont là les raisons politiques, mais Pétrarque va bientôt avoir des raisons sentimentales de fuir Avignon. C'est là qu'il va rencontrer l'or. L'or est à la fois son délice et son tourment. Le 6 avril 1327, c'était le lundi de la semaine sainte. À la première heure, c'est-à-dire vers les 6 heures du matin, l'usage était alors de compter les heures depuis la pointe du jour, Pétrarque étant allé faire ses prières à l'église des religieuses de Sainte-Claire, y vit une dame fort jeune, dont la beauté le frappa. Elle était vêtue de vert, son habit était parsemé de violettes. Son visage, sa démarche, son air avaient quelque chose de céleste. Sa taille était fine et légère, ses yeux tendres et brillants, ses sourcils noirs comme l'ébène. Des cheveux couleur d'or flottaient sur des épaules plus blanches que la neige. L'or de cette chevelure paraissait filé et tissu des mains de l'amour. Elle avait le col bien fait et d'une blancheur admirable. Son teint était animé par ce coloris de la nature que l'art s'efforce en vain d'imiter.
Quand elle ouvrait la bouche, on ne voyait que des perles et des roses. Elle avait de jolis pieds, de belles mains plus blanches que la neige et l'ivoire. Elle était pleine de grâce. Rien de si doux que sa physionomie, de si modeste que son maintien, de si touchant que le son de sa voix. Son regard avait quelque chose de gai et de tendre, mais en même temps si honnête qu'il portait à la vertu. On comprend aisément que le portrait que je viens d'éboucher, et dont Pétrarque m'a fourni tous les traits, ne peut convenir qu'à la belle Laure. Elle était en effet la dame qu'il trouva dans l'église de Sainte-Claire, le 6 avril 1327, à la première heure. Les conditions sont réunies. Nous avons là une église, une femme superbe, et c'est à 6 heures du matin, alors que les rencontres de Dante se faisaient à 9 heures, que Pétrarque tombe dans le piège, car c'est un piège, il est pris. Là, je ne sais le moyen d'échapper des longs travaux que ces beaux yeux me font, dont j'ai grand peur du cœur qui se morfond. Qu'est main de mort ne se laisse attraper. Fuir voudrait plus fort qu'à galoper, mais les rayons y sont si très profonds, corps mon cœur davantage se fond que dès 15 ans qu'il se laissa frapper. La belle image y est si vive et saine que ne me sait tourner aucune part où sa semblance et beauté je ne vois. Voilà comment un seul laurier verdoie autant qu'un grand bocage où avec art, mon ennemi par-dedans me pourmène. Pétrarque devant l'or se trouve comme un enfant qui tremble, comme un enfant qui à grand-peine dénoue sa langue à souci d'être entendu, dit-il. Mais c'est avec un art consommé qu'il va reprendre toutes les qualités de l'or, les détailler et les insérer dans cette suite de sonnets qui sont la première partie du canzonere. Où prit amour, et dedans quelles veines l'or des cheveux? Et en quelles épines a-t-il cueilli les roses et les brines pour leur donner âme, pulse et haleine? Où trouva-t-il les perles par qui freine et interrompt parole pèlerine? Où prit-il tant de beauté si divine et du beau front cette hauteur sereine? En quelle sphère et de quels anges prit ce chant céleste avec qui mon esprit s'en va de moi, où il s'en faut bien peu? De quel soleil mit la lumière en terre de ces beaux yeux par qui j'ai paix et guerre et tient mon cœur de feu et glas repu? Thank you.
Ainsi, l'or est incomparable. Nous sommes familiers de toutes ces métaphores rangées dans notre passé culturel. Mais il faut comprendre Pétrarque. Le voilà déchiré de contradictions. Il est tiré entre l'espoir et le désespoir, entre l'hiver brûlant et l'été où il meurt de froid. Il ne connaît de l'or que la trace de son pied dans l'herbe, une apparition dans la rue ou dans l'église en Avignon. Pétrarque, lui, se sent transparent, traversé par ses regards, par les flèches, par les rayons. Pauvre âme triste, au moins maintiens-toi vive, car que sais-tu si le beau temps s'avance ? Et il va falloir au cœur de Pétrarque, à ce cœur transpercé, des eaux très légères près desquelles chanter et rafraîchir ses plaies. Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna, gentil ramo ove piacque, con sospir mi rimembra, a lei di fare al bel fianco colonna. Erba e fior che la gonna leggiadra ricoverse con angelico seno, aere sacro, sereno, ove amor co bei gli occhi il cor m'aperse, date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Claires, fraîches et douces eaux, dans qui la perle des humains plongea ses délicates mains, arbres et gentils arbrisseaux sur qui s'appuyaient en lieu main, herbes, fleurs qui avaient couvert quelquefois de jaune et de vert sa côte et poitrine angélique, elle étant sur son flanc pudique d'air sacré et gracieux, où amour par ses deux beaux yeux m'ouvrit le cœur, je vous supplie, oyez tous ma mélancolie. Il faut le bruit des eaux pour le mêler aux rumeurs de son propre amour, et une rivière près de laquelle cultiver son arbre préféré, bien sûr, le laurier.
Non tessin, po, varo, arno, adige et tebro, Euphrate, tigre, nilo, ermo, indo et gange. Ne po, tessin, ne timbre, arnus, le nil, garonne, tigris, sonne, inde, hermus, varus, gange, rhin, seine, tan, alphée, danube, ibère, euphrate, maine, Albe, Adige, Hébert, Loire, Édurance, et le Rhône, n'est cette mer qu'il rompt, n'aurait vertu si bonne qu'à ce gentil ruisseau contre mon feu et peine. Ne lierre ou être ou chêne ou genièvre n'emmène à mon cœur tel plaisir que cet arbre me donne. Et ce petit ruisseau aux amoureux assauts dont convient qu'une vie étant armée je vive, qui par ardent désir trépasse main grand saut. Croisse donc ce laurier en cette fraîche rive, tant que qui l'a planté dessous son ombre écrive un jour au bruit de l'eau ses amoureux travaux. Or ce lieu d'eau choisi, ce sera la fontaine Vaucluse. Vallis Closa. Il faut suivre aujourd'hui le chemin qui mène en tournant un peu au fond du fer à cheval. On y vend des cartes postales, des moulinets en matière plastique, des crêpes, mais l'eau jaillit toujours de la masse énorme du roc. Elle paraît toute noire à sa surface. Il faut entendre Pétrarque à ce propos. Quand on trouve, dit Sénèque, un antre creusé par la nature dans le sein d'un rocher, sans que l'homme y ait mis la main, l'âme se sent pénétrée d'un sentiment de religion. Quel antre plus capable de faire cette impression que celui d'où sort la fontaine de Vaucluse? Sénèque ajoute, les sources des grands fleuves nous inspirent une sorte de vénération. Il y a des fleuves plus longs dans leur cours, plus abondant en eau que la Sorgue. Mais où trouvera-t-on une source qu'on puisse comparer à celle de cette rivière? Enfin, Sénèque dit, l'éruption subite d'un fleuve mérite des autels. Si cela est, il faut ériger un autel à la fontaine de Vaucluse, qui même à sa source forme un fleuve navigable. J'en prends Dieu à témoin. Mon dessein est de le faire. Lorsque mes facultés me le permettront, dans mon petit jardin, qui est sous les rochers et au-dessus des eaux. Mais ce n'est pas au dieu des fleuves ni aux nymphes de la fontaine que je dédierai cet autel, comme le veut Sénèque. Ce sera la Vierge, mère de ce dieu, qui a détruit les temples et les autels de tous les autres dieux. Ici, je fais la guerre à mes sens et je les traite comme mes ennemis. Mes yeux qui m'ont entraîné dans toutes sortes de précipices ne voient que le ciel, l'eau et les rochers. Ni or, ni pierrerie, ni ivoire, ni pourpre. La seule femme qui s'offre à leur regard est une servante noire, sèche et brûlée comme les déserts de la Libye. Mes oreilles ne sont plus flattées par les sons harmonieux des voix et des instruments qui ravissaient mon âme. Je n'entends ici que des bœufs qui mugissent, des moutons qui bêlent, des oiseaux qui gazouillent et des eaux qui murmurent. Je garde le silence depuis le matin jusqu'au soir, n'ayant personne à qui parler. Le peuple uniquement occupé à cultiver sa vigne et ses vergers, ou à tendre ses filets, ne connaît pas la conversation ni le commerce de la vie. Je me contente souvent du pain noir de mon valet. Et je le mange même avec une sorte de plaisir. Quand on m'emporte de blanc, je le donne presque toujours à celui qui l'a porté. Mon valet, qui est un homme de fer, me reproche quelquefois la vie trop dure que je mène et m'assure que je ne pourrai pas la soutenir longtemps. Pour moi, je pense au contraire qu'il est plus aisé de s'accoutumer à une nourriture grossière qu'à des mets délicats et recherchés. Des figues, des raisins, des noix, des amandes, voilà mes délices.
J'aime les poissons dont ce fleuve abonde. C'est un grand plaisir pour moi de les voir prendre dans les filets qu'on leur tend et que je leur tends moi-même quelquefois. Je ne parle pas de mes habits tout échangés. Je ne porte plus ceux dont j'aimais autrefois me parer, en gardant toujours la bienséance et sans sortir de mon état. Vous me prendriez à présent pour un laboureur ou un berger. Ce désert convient parfaitement à la méditation amoureuse, et c'est près de la fontaine Vaucluse que Pétrarque va travailler son chansonnier, les trois formes poétiques, le sonnet, la canzone et la sextine. Il faut expliquer en quoi consiste cette forme. Elle a été inventée au début du XIIIe siècle à Ribérac par Arnaud Daniel, et elle a été reprise après par Dante en Italie. Ce poème est constitué de 6 strophes, de 6 vers qui sont terminés par 6 mots rimes, selon une permutation telle qu'une 7e strophe répéterait l'ordre de la première. Ainsi, dans celle que nous allons entendre, les mots rimes de la première strophe seront onde, lune, nuit, bois, plage, soir. À la deuxième strophe, ils viendront dans cet ordre. Soir, onde, plage, lune, bois, nuit. Ainsi de suite jusqu'à la 6e strophe. Lorsqu'on figure géométriquement dans un croquis la structure de ce poème, on trouve une forme qui ressemble curieusement à la coquille d'escargot. C'est une spirale. Et cette structure répétitive permet au poète de s'attacher de très près à son sujet, d'y revenir constamment. Et la réflexion que nous pouvons faire à partir de cette forme peut nous apprendre beaucoup sur ce qu'est l'écriture. L'écrivain est une sorte de Ulysse, ou un peu le capitaine de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, il pourrait s'appeler Personne, c'est son rêve. Et il est propulsé dans le langage par ce mouvement qu'il invente, par cette hélice d'écrire. Écoutons le retour des rimes chez Pétrarque, et n'oublions pas que sa vie ressemble assez à celle d'Ulysse, mais multiplié par 6 si l'on compte ses voyages, car sa vie est un perpétuel retour à Vaucluse, au Val Fermé. Non ha tanti animali il mar fra l'onde, né lassù sopra il cerchio della luna vide mai tante stelle alcuna notte, né tanti augelli il bergan per li boschi, né tante erbe ebbe mai campo né piaggia, quanta al mio cor pensier ciascuna sera. La mer n'a point dedans ses hautes ondes tant d'animaux, ne par-dessus la lune voit-on passer d'astres aucune nuit, ni tant d'oiseaux hébergent par les bois, ni tant de fleurs eût onque près une plage, que mon cœur a d'ennui un chacun soir. De jour en jour j'attends le dernier soir, qui de mes yeux ferme les tristes ondes, en me laissant dormir en quelque plage, car onque mortel n'endura sous la lune autant que moi, témoins en sont les bois, dans qui tout seul je vague jour et nuit.
je viens jamais une tranquille nuit. Mais soupirer depuis matin et soir qu'amour me fait un citoyen des bois. Quand j'aurai paix, la mer sera sans onde, et au soleil donnera clarté la lune. Les fleurs d'avril mourront par toute plage. Je me consume, allant de plage en plage, de jour pensif, pleurant toute la nuit, suis sans repos, comme est la belle lune. Et tout soudain que voit venir le soir, soupir du cœur, des yeux, fait si grands ondes, qu'arrosent champs et font crouler les bois. Je hais la ville et aime mieux les bois. Car quand je suis en cette douce plage, vais déchargeant avec le bruit des ondes mes griefs travaux dessous la couaille nuit. Et quand est jour, je n'attends que le soir, que le soleil donne place à la lune. Las fussé-je or aux vagues de la lune, bien endormi dedans quelques verts bois. Et celle-là qui fait venir le soir, trop tôt pour moi vint seule en cette plage avec moi demeurer une nuit. Et le jour fut tout temps de là les ondes, sur ondes faites aux rayons de la lune, et de nuit née aux chansons dans les bois, verra demain très riche plage au soir.
Et nous retrouvons dans la correspondance familière de François Pétrarque ses promenades au clair de lune près de Vaucluse. Combien de fois l'été à minuit, après avoir dit mon office, ai-je été me promener tout seul dans les champs ou sur les montagnes au clair de lune? Combien de fois même suis-je entré, malgré l'obscurité de la nuit, tout seul dans cet antre terrible, où, dans le jour et en compagnie, on n'entre pas sans se sentir ému d'une secrète frayeur. J'éprouvais une sorte de plaisir en y entrant, mais je l'avoue, il n'était pas sans horreur. L'amour pour l'or représente une sorte d'ascension. En effet, l'or est au fond une idée. Elle procède du ciel et elle va retourner au ciel. Le poète se sent par elle aspiré. Ô face, ô flamme, ô rose environnée de vive neige, où me polis et mire, quel doux plaisir au ciel mes ailes tirent, par ses beaux yeux dont clarté m'est donnée. Devant l'or, le poète est une flamme. Les cheveux d'or étaient aux vents épars, en mille nœuds ralliés doucement, et ses beaux yeux trop démesurément m'ardaient. Et or, ils me sont si écarts. Avec pitié semblaient tirer les dards. Ne sais si fut trompé mon jugement, mais moi, ayant au cœur poudre et sarment, fut ce grand fait si soudain, je fus hard. Je ne sais quoi autre qu'humanité sentait ses yeux, pleins de divinité, tant en ses jours qu'en son allure gaie, esprit céleste était. Et non mortel. Et combien corps il me semble être tel. Débander l'arc ne guérit pas la plaie. L'amour rapproche du ciel. C'est une préoccupation de l'époque et c'est une préoccupation de Pétrarque. Si bien que pour lui, tous les chemins sont bons. Il va même se livrer à des ascensions très concrètes. Ainsi, un 24 avril, il s'attaque aux ventoux. Il peut grimper parmi les roches, les papillons, les bergers de Malocène. On croirait toujours que Pétrarque marche dans les pages d'un livre selon le rythme de la rhétorique. Même dans cette promenade, il est question de l'or et bien sûr de Dieu. Nous sommes partis d'Avignon le 24 avril pour venir coucher à Malocène, qui est au pied de la montagne du côté nord. Nous y avons passé le 25 tout entier à nous reposer.
Le 26, nous sommes montés, mon frère et moi, suivis de deux domestiques avec beaucoup de peine et de fatigue, quoique le temps fût fort doux et le jour très beau. Nous avions de l'agilité, de la force, du courage. Rien ne nous manquait, mais cette masse de rochers est d'une roideur extrême et en vérité presque inaccessible. Vers le milieu de la montagne, nous avons trouvé un vieux pâtre qui a fait tout ce qu'il a pu pour nous dégoûter de notre projet. Il y a environ 50 ans, nous a-t-il dit que j'eus la même fantaisie que vous. Je gravis jusqu'au sommet de la montagne et voici ce que j'en rapportais. Mon corps et mes habits déchirés par les ronces, beaucoup de lassitude, un grand repentir et un ferme propos de n'y plus retourner. Depuis ce temps-là et même avant, je n'ai pas ouï dire que personne ait fait la même folie. Les jeunes gens n'aiment pas les représentations. Plus le berger nous exagérait les difficultés de l'entreprise, plus nous sentions croître le désir de les vaincre. Quand il a vu l'effet qu'avait fait sur nous ce qu'il venait de nous dire, il nous a montré un sentier fort roide à travers les rochers. Voilà, nous a-t-il dit, par où il faut que vous passiez. Après lui avoir laissé nos habits et tout ce qui pouvait nous embarrasser, nous nous sommes mis à gravir avec une ardeur incroyable. Mais, ce qui arrive ordinairement en pareil cas, nos premiers efforts ont été suivis d'une lassitude extrême. Nous avons trouvé un rocher sur lequel nous nous sommes reposés quelque temps, après quoi nous avons repris notre marche. Mais ce n'était plus avec la même ardeur. La mienne, surtout, était extrêmement refroidie. Pendant que mon frère suivait un sentier fort roide, qui paraissait tendre à la cime du mont, j'en prenais un autre, qui avait de la pente. « Où allez-vous ? » criait mon frère de toutes ses forces. « Ce n'est pas le chemin, suivez-moi donc. Laissez-moi faire, lui disais-je. J'aime mieux prendre un chemin plus long et plus aisé. » C'était un prétexte pour colorer ma faiblesse. J'ai erré quelque temps dans des vallons, pendant que je voyais les autres monter toujours. Enfin, la honte m'a pris, j'ai été rejoindre mon frère qui s'était assis pour m'attendre. Nous avons marché de front pendant quelque temps, mais comme la lassitude me faisait toujours chercher un chemin plus doux, je me suis retrouvée encore dans un autre vallon. La même chose m'est arrivée 3 ou 4 fois. Mon frère se moquait de moi. Enfin, accablée de honte et de fatigue, je me suis assise pour prendre haleine. Alors, abandonnant mon esprit aux réflexions, j'ai comparé l'état de mon âme, qui désire d'arriver au ciel et n'en prend pas le chemin, à celui de mon corps, qui avait tant de peine à atteindre le sommet du mont Ventoux, malgré la curiosité qui m'y faisait monter. Ces réflexions m'ont donné plus de force et de courage. Le mont Ventoux est partagé en plusieurs collines qui s'élèvent les unes sur les autres. Les gens du pays appellent la plus haute de toutes Filleule, je crois par antiphrase, car elle domine sur toutes les montagnes voisines. On trouve au sommet une petite plaine où nous nous sommes assis en arrivant. Saisie par la grande vivacité de l'air et par l'immensité de l'espace que j'avais devant les yeux, j'ai resté quelque temps étourdi et sans mouvement. Ensuite, revenu à moi, je n'ai pas plus tôt ouvert les yeux que mes regards se sont portés d'eux-mêmes vers cette belle contrée où mon penchant m'entraîne. J'ai vu couvertes de neige ces montagnes où le fier ennemi du nom romain s'ouvrit un passage avec le vinaigre, s'il en faut croire la renommée. Quoiqu'elle soit fort éloignée du mont Ventoux, il me semblait pouvoir y toucher avec la main. J'ai senti d'abord un violent désir de revoir cette chère patrie que je voyais plutôt des yeux de l'âme que de ceux du corps. Sa vue m'a fait pousser quelques soupirs, dont je n'étais pas le maître. Je me suis reproché une faiblesse que j'aurais pu justifier par l'exemple des plus grands hommes. Ensuite, rentrant en moi-même et examinant de plus près l'état de mon âme, je me suis dit, il y a aujourd'hui 10 ans que tu as quitté Bologne. Combien de changements dans tes mœurs depuis ce temps-là. N'étant pas encore dans le port, je ne dois pas occuper mon esprit de ces tempêtes
dont je me sens toujours agitée. Le temps viendra peut-être, où je pourrai dire avec votre saint Augustin. Si je me retrace mes faiblesses passées, ces passions honteuses auxquelles je me suis livrée, ce n'est pas qu'elles me soient chères, mais parce que je veux vous aimer, ô mon Dieu. Il me reste encore beaucoup à faire. Je n'aime plus ce que j'aimais. Que dis-je, je l'aime encore. Mais d'un amour triste combattu et dont je rougis. Je voudrais pouvoir haïr, mais je sens quelque chose qui me porte à aimer. J'en suis honteux, désespéré, j'éprouve cet état de l'âme qu'Ovide peint si bien dans ce vers que tout le monde connaît. Si je ne puis haïr, j'aimerai malgré moi. Il n'y a pas encore 3 ans que cette passion qui régnait seule dans mon âme et sans contradiction a trouvé une ennemie qui lui a déclaré la guerre et fait tout ce qu'elle peut pour la détruire. Si tu vivais encore 2 lustres, me disais-je, et que dans cet espace tu fisses autant de progrès dans la vertu que tu en as fait pour te tirer de l'abîme où tu étais, ne pourrais-tu pas mourir alors avec un peu de confiance? Livré à ces réflexions, d'un côté je m'applaudissais du changement qui s'était fait en moi, de l'autre je déplorais l'imperfection de mon état et l'instabilité des choses humaines. Je ne savais ni où j'étais ni pourquoi j'y étais. En sortant de cette profonde rêverie, j'ai vu que le soleil allait se coucher et qu'il serait bientôt temps de descendre. Je me suis tournée alors vers le couchant, où j'ai cherché en vain cette longue chaîne de montagnes qui sépare la France et l'Espagne. Rien que je sache ne la dérobait à mes regards, mais la nature ne nous a pas donné des organes qui portent leur action si loin. À droite, je découvrais les montagnes de la province lyonnaise, et à gauche, les flots de la Méditerranée, qui baignent d'un côté Marseille, et de l'autre viennent se briser contre Aigues-Mortes. Je les voyais très distinctement, quoiqu'il y ait plusieurs journées de distance. Le Rhône coulait sous mes yeux, les nues étaient à mes pieds. Jamais spectacle plus étendu, plus varié, plus imposant n'a frappé mes regards. Ce que je voyais me rendait moins incroyable ce qu'on publie de l'Olympe et du mont Athos, après avoir rassasié pendant quelque temps mes yeux de ce spectacle qui élevait mon esprit et me faisait faire des réflexions pieuses. J'ai pris le livre des Confessions de saint Augustin, livre que je tiens de vous et que je porte toujours avec moi. Il m'est cher par lui-même, et les mains de qui je l'ai reçu me le rendent encore plus cher. En l'ouvrant, le hasard m'a fait tomber sur ce passage du 10e livre. Les hommes vont pour admirer les sommets des montagnes, les flots de la mer, les embouchures, le cours des fleuves, l'étendue de l'océan. Et ils se négligent eux-mêmes. Je prends Dieu et mon frère à témoin que ce que je dis est vrai. Je fus surpris de la singularité de cette rencontre, dont l'application était si aisée à faire. Après avoir fermé le livre et prié mon frère, qui voulait que je continuasse cette lecture, de ne pas m'importuner davantage, je me suis rappelé ce que saint Augustin dit lui être arrivé de semblable, et ce que saint Athanase raconte dans la vie de saint Antoine. Croyant n'avoir rien de mieux à faire que d'imiter ces grands saints, j'ai cessé de lire et me suis livré à une foule d'idées qui se sont présentées à mon esprit sur la folie des hommes qui négligent la plus noble partie d'eux-mêmes, se repaissent de vains spectacles et vont chercher au dehors ce qu'ils pourraient trouver au dedans. À chaque pas que je faisais, je disais, si j'ai tant sué, tant fatigué pour que mon corps approchât du ciel de quelques toises, que ne devrais-je pas faire et souffrir
pour que mon âme y parvienne. L'adoration que Pétrarque porte alors lui donne à rêver dans une langue qui se veut la plus aérienne possible, la plus céleste. C'est un langage poétique plein d'étoiles et de rayons de soleil, et pourtant, chaque fois que le poème s'achève, cet homme ravi est rendu au monde. Pétrarque alors va se promener dans les forêts pour apaiser l'inquiétude qu'il saisit. Solo. E pensoso i più deserti campi, vo mesurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire intenti, ove vestigi uman l'arena stampi. Seul et pensif, ses champs et verts coteaux vai mesurant, pas à pas, lentement. Et des humains je fuis l'assemblement, mais tel fuir pourtant rien ne me vaut. Au fort, ainsi gouverné il me faut, pour ne montrer aux gens mon grief tourment, vu qu'à me voir, on lit dehors comment toujours j'endure au-dedans un feu chaud. Je crois qu'ici, mes huit, il n'y a plaine, ne mont, ne bois, qui ne sache l'usage que tient ma vie à autrui incertaine. Mais je ne sais chercher lieu tant sauvage qu'amour toujours ne m'y suive en volant, et l'un à l'autre ensemble allons parlant.
les déplacements de Pétrarque ne se limitent pas aux abords de la fontaine Vaucluse. Il parcourt l'Europe en tous sens. D'Aix-la-Chapelle à Naples, il est en fait en quête de livres et de manuscrits qu'il copie ou qu'il fait recopier. Ainsi, lorsqu'il arrive à Liège, il n'est pas content du tout parce qu'il cherche dans la ville de l'encre. Il n'en trouve qu'une petite bouteille et qui est passée. Elle était jaune, dit-il, comme du safran. C'était pour reproduire deux oraisons de Cicéron. Il s'intéresse à toutes sortes de choses. Il monte jusqu'à Aix-la-Chapelle, où il note dans une lettre familière un incroyable conte à propos de Charlemagne. Aix-la-Chapelle est une ville fameuse où Charlemagne avait établi le siège de son empire. Il y a fait bâtir un temple de marbre où l'on voit son mausolée que ses peuples barbares révèrent. Quelques prêtres de ce temple m'ont raconté une histoire de ce prince qu'ils m'ont fait voir dans de vieux manuscrits et que j'ai trouvé ensuite plus détaillée dans quelques historiens plus modernes. Je cite mes auteurs et ne les garantis pas. Le roi Charles, à qui on donne le nom de Grand, et qu'on ose comparer à Alexandre et à Pompée, fut surpris par l'amour, au point que, négligeant sa réputation dont il était si jaloux, et le gouvernement de ses états, il passait les jours entiers avec sa maîtresse. Cette faiblesse affligea ses sujets et les indisposa plus qu'on ne saurait dire. Ils avaient perdu toute espérance. L'amour avait fermé les oreilles de ce prince aux conseils qu'on aurait pu lui donner. Il ne voulait écouter personne. Une mort imprévue vint fort à propos enlever l'objet d'une si funeste ivresse. Grande joie à la cour de Charles, mais il fallait la cacher avec soin. La douleur que lui causa la mort de sa maîtresse parut encore plus forte que la tendresse qu'il avait eue pour elle pendant sa vie. Elle lui fit faire des choses beaucoup plus extravagantes. Après avoir fait embaumer le cadavre, il l'habilla de pourpre, le couvrit de pierreries et le tenait embrassé jour et nuit. Lorsque les ambassadeurs, les gouverneurs de province et les ministres venaient lui parler des affaires les plus importantes, il trouvait les portes de sa chambre fermées. Ces gens qu'il avait renvoyés leur apprenaient que le prince était dans son lit, embrassant le corps puant de cette femme, l'appelant sans cesse par son nom et lui tenant les propos les plus tendres. On ajoute à ce récit quelque chose de plus incroyable encore et que je ne raconte qu'avec peine. L'évêque de Cologne, qui avait une grande réputation de sainteté et de sagesse, et qu'on regardait comme la meilleure tête du conseil du prince, eut pitié de son état. Voyant que tous les remèdes humains ne produisaient aucun effet, il se tourna vers Dieu, mit sa confiance en lui, et le conjura par les prières les plus ardentes de faire cesser un si grand désordre. Enfin, après avoir réitéré plusieurs fois ses prières, un jour qu'il disait la messe, baignant à l'ordinaire l'autel de ses larmes, il entendit une voix qui déclara que la cause de la folie du roi était sous la langue de sa maîtresse. La messe finie, l'évêque prit un moment que Charles était sorti de sa chambre pour y entrer. Plein de joie et de confiance, il s'approcha du cadavre, passa adroitement la main dans la bouche et trouva sous la langue une pierre, enchâssée dans un très petit anneau, qu'il enleva sans que personne s'en aperçût. Le roi ne tarda pas à rentrer dans sa chambre et courut bien vite à l'objet de ses empressements, mais il fut saisi d'horreur à la vue d'un cadavre qui lui parut alors tel qu'il était. Il ordonna qu'on l'emportât sur le champ, mais sa folie ne fit que changer d'objet. L'évêque remplaça le corps mort. Charles n'agissait que par son conseil, ne pouvait vivre sans lui et l'accablait de caresses. Soit que ce prélat fût ennuyé des empressements du prince, soit qu'il jugeât plus convenable de lui rendre l'usage de sa raison, il prit le parti de se défaire de l'anneau.
mais n'osant pas le brûler de peur qu'il n'en mésarriva à Charles, il le jeta dans un marais. La scène se passait à Aix-la-Chapelle. Dès ce moment, le prince y fixa son séjour, et il ne fut plus possible de l'en arracher. Il se plaisait surtout auprès de ce marais où l'anneau avait été jeté, et qui exhalait, disait-il, une odeur délicieuse. Charles fit bâtir au milieu, sur pilotis, un palais et une église, qui coûtèrent des sommes immenses. C'est là qu'il passa le reste de sa vie, et il y est enterré. Comment ne pas sentir derrière tout cela le sourire de Pétrarque ? À Cologne, il est le témoin d'une scène étonnante. Le soleil allait se coucher. À peine eus-je mis le pied à terre que ces amis inconnus me menèrent sur les bords du Rhin pour me faire jouir d'un spectacle qui se renouvelait tous les ans à pareil jour, dans le même lieu. On me plaça dans un endroit élevé, d'où je pouvais découvrir tout ce qui se passait le long du fleuve. Une troupe innombrable de femmes en couvrait les bords. Leur air, leur visage, leur habillement me frappèrent. Quiconque aurait eu le cœur libre n'aurait pu se défendre des impressions de l'amour. Hélas, il s'en fallait de beaucoup que le mien le fût. Au milieu de cette foule que le spectacle avait attirée, je fus surpris de ne trouver ni tumulte ni confusion. On y voyait régner une grande joie, sans licence. Quel plaisir de voir les femmes la tête couronnée de fleurs, les manches retroussées jusqu'aux coudes, allant d'un air gai laver leurs bras et leurs mains dans l'eau du fleuve. Elles prononçaient je ne sais quoi dans leur langue, qui me paraissait assez doux, mais que je ne comprenais pas. Heureusement, je ne manquais pas d'interprète. Je priai un de ceux qui étaient venus avec moi de me mettre au fait de la cérémonie. Il me dit que c'était une ancienne opinion répandue dans le peuple, et surtout parmi les femmes, que cette lustration était nécessaire pour emporter toutes les calamités dont on est menacé dans le cours de l'année. Que quand elle était faite, on n'avait rien à craindre jusqu'à l'année suivante, où il fallait recommencer. Heureux, lui répondis-je, les peuples qui habitent les bords du Rhin, puisque ce fleuve entraîne ainsi toute leur misère. Que nous serions heureux nous-mêmes, si le Tibre et le Pô avaient la même vertu. Vous embarquez vos malheurs sur le Rhin, qui les porte aux Anglais. Nous ferions volontiers le même présent aux Africains et aux esclavons, si nos fleuves voulaient bien s'en charger. Après avoir beaucoup ri, la cérémonie finie, nous nous retirâmes. On könnte ich hier der Rache an ihr genesen, die mich doch blieb und fröde Geiste stört. Und dann so großem Leid ist von mir kehrten, die Augen merken mir, die süßen Bösen. So meine Geister bald bekümmert werden, sorget mir aus allmählich und verzehret und brillend mir ein Lohn. Herz mir fährt die Nacht nicht zu,
were oft entkommen, flieht dir zu ihr, ihr wollet sie empfängt. On ne sent dans tout cela que bonne humeur, mais il faut se faire une idée des difficultés qu'il y avait à courir, comme le faisait Pétrarque à travers l'Europe. Voici un épisode mouvementé de ses voyages, conté par l'abbé de Sade. Pétrarque se trouvait à Parme. Il en sortit le 23 février au soleil couchant, avec un petit nombre de gens que l'ennui détermina à courir les mêmes risques que lui. Vers minuit, ils se trouvèrent près de Reggio, dont les ennemis étaient maîtres. Une troupe de voleurs, sortant de leur embuscade, vint fondre tout à coup sur eux en criant « Tue, tue !» Ils n'eurent pas le temps de se concerter pour la défense. D'ailleurs, qu'aurait pu une poignée de voyageurs mal armés et surpris dans la nuit contre une troupe de bandits bien armés et exercés à la petite guerre ? Toute leur ressource fut de se sauver à la faveur des ténèbres. Chacun prit la fuite de son côté. Pétrarque fit comme les autres. Mais dans le temps qu'il se croyait hors d'affaire, son cheval rencontra quelque chose qui le fit tomber. La nuit ne permettait pas de discerner les objets. La chute fut si violente que Pétrarque perdit connaissance. Quand il fut revenu à lui, il se sentit si brisé qu'il ne pouvait faire aucun mouvement. Et quelques jours après, il avait peine à porter la main à la bouche. Mais la peur lui donnant des forces dans ce moment, il remonta à cheval. Une partie de la troupe qui était sortie de Parme avec lui avait repris le chemin de la ville. Les autres persistèrent dans le dessein de s'en éloigner à quelque prix que ce fût. Les guides qu'ils avaient pris, harassés, effrayés, ne sachant plus où ils étaient, obligèrent de faire halte dans un endroit écarté du grand chemin. Mais bientôt la frayeur redoubla au bruit que faisaient les sentinelles qui étaient sur les remparts d'une place voisine. Une pluie affreuse, mêlée de grêle, d'éclairs et de tonnerre, rendit plus fâcheuse la situation de Pétrarque et de ses compagnons. Tout leur présentait l'image de la mort. Ils passèrent une nuit cruelle sans trouver un arbre ou le creux d'un rocher pour se mettre à couvert. La nécessité aiguise l'esprit, elle leur fit imaginer un expédient qui les garantit un peu des injures de l'air. Les croupes de leurs chevaux, mises en travers du côté d'où venait l'orage, leur tinrent lieu de tente. « Chose incroyable, dit Pétrarque, ces animaux qui avant cela frémissaient et battaient des pieds se prêtèrent avec docilité à nos besoins et restèrent tranquilles. » Dans la position où nous les avions placés pour nous faire une espèce d'abri. Lo forastiere dorme stanotte sulla Dorme sull'aia, alla frescura. Lo forastiere dorme stanotte sull'aia. Dorme sull'aia. Alla frescura per coperti
la chaque tola. Pecuperti la raconella. Pecuscino la chaque tola. Tous les chemins de l'Europe sont pleins de brigands et de soldats. Les deux espèces d'ailleurs se confondent. Et tout au long de ce siècle, les pluies vont s'abattre sur le dos des voyageurs, les mouillant jusqu'aux os. Dans les villes, on s'empoisonne, on s'assassine. Quelle violence, par exemple, dans la ville de Naples, où se tuer est une sorte de jeu. C'est un mal invétéré et sans remède. L'autorité des parents, la sévérité des magistrats, la majesté même des rois n'a pu dans aucun temps réprimer la licence de cette jeunesse effrénée. Mais faut-il s'étonner qu'on ose tout la nuit impunément dans une ville, où par une espèce de jeu on se tue en plein jour pour amuser le public et les rois eux-mêmes. Le peuple avide de ces spectacles barbares y court en foule, et applaudit quand il voit couler le sang humain. Les enfants y expirent sous les yeux de leur père. C'est une honte de ne pas rendre l'âme de bonne grâce, comme si on mourait pour Dieu ou pour sa patrie. Le lieu destiné à cette espèce de boucherie est près de la ville. Il s'appelle Carbonara. On m'y traîna un jour avec une espèce de violence. Le roi et la reine y étaient avec toute la noblesse de Naples, qui est la plus brillante et la plus magnifique de l'Europe. Une si belle assemblée tenait mon esprit en suspens. J'ignorais ce qui allait se passer, mais je m'attendais à quelque chose de grand, digne de mes regards, lorsque j'entendis tout à coup un grand bruit de gens qui applaudissaient. Je portai mes regards du côté d'où venaient les applaudissements, et je vis un jeune homme d'une figure très intéressante, couvert de sang, qui vint expirer à mes pieds. Saisi d'horreur à cette vue, je donnai de l'éperon à mon cheval et quittai avec précipitation ce spectacle infernal, maudissant les amis qui m'y avaient traîné et la cruauté des spectateurs qui y prenaient plaisir. Vous ne devez pas être étonné qu'on retienne injustement dans les fers vos amis dans une ville où l'on se fait un jeu, un amusement de la mort d'un jeune homme innocent et aimable. Cette pratique constante de la violence crée des personnages qui sont hors du commun. C'est près de Naples que Pétrarque a rencontré une femme dont les qualités n'avaient rien à voir avec celles des héroïnes courtoises. De tout ce que j'ai vu dans ce petit voyage, rien ne m'a autant surpris que la force extraordinaire et le courage singulier d'une fille que nous vîmes à Pouzol, nommée Marie. Elle passe sa vie avec les hommes les plus robustes, la plupart armés. Et l'opinion commune est qu'il n'y en a aucun qui ait osé attaquer son honneur, plus par crainte que par pudeur. Il n'y a point de guerrier qui ne désira avoir sa force et son adresse. À la fleur de son âge, elle vit dans les combats, où elle a pris les manières et les habitudes militaires. Son corps est plutôt le corps d'un soldat que celui d'une fille. On n'y voit que des cicatrices et des plaies honorables. Toujours en guerre avec ses voisins, elle va les attaquer avec une petite escorte, quelquefois toute seule. Et il en est mort plusieurs de sa main. Elle sait toutes les ruses de l'art militaire. Il est difficile d'éviter les pièges qu'elle tend. Elle aime les combats, se précipite dans le péril, se retire avec peine, souffre avec une patience incroyable la faim, la soif, le froid, le chaud, la fatigue. Enfin, elle couche sur la terre avec son bouclier pour chevet et dort à l'air, toujours armée. Je l'avais vue dans mon premier voyage de Naples, il y avait près de 3 ans. Mais comme elle était fort changée, je ne la reconnus pas. Elle s'avança pour me saluer. Je lui rendis le salut comme à un homme inconnu, mais à son rire et au signe que me firent ceux qui étaient avec moi, je soupçonnai quelque chose. Et l'ayant regardée avec plus d'attention, je retrouvai sous le casque cette vierge terrible que je connaissais. Je ne vous dirai point tout ce qu'on m'a raconté d'elle, vous le prendriez pour des fables, je me renfermerai dans les faits dont j'ai été témoin.
des étrangers de divers pays, forts et endurcis par le métier des armes, s'étaient rendus par hasard ce jour-là à Pouzolles pour voir cette merveille dont on parle tant et faire avec elle un essai de leur force. Étant montés tous ensemble à la citadelle où elle se tient, nous la trouvâmes seule, se promenant devant la porte de l'église. Elle ne fut pas étonnée de ce grand concours de monde. Nous la priâmes de nous faire connaître sa force. Elle s'excusa, d'abord, sur ce qu'elle avait mal au bras. Ensuite, elle fit porter une masse de pierres énormes et une poutre ferrée qu'elle jeta devant nous en disant « Voilà de quoi faire une épreuve de force, si vous voulez. » Après que tout le monde se fût effrayé à les remuer avec plus ou moins de succès, elle les prit et les jeta avec tant de facilité et d'avantage sur nous que nous restâmes confondus et avions peine à croire nos yeux. On soupçonna d'abord que c'était l'effet de quelque prestige. Mais il n'y en avait point, et il ne pouvait y en avoir. Cela m'a rendu plus croyable ce que les anciens racontent des Amazones et ce que dit Virgile de ces héroïnes d'Italie qui avaient Camille à leur tête. Tutta lucare che niema sangue machela iema cerca la grazia che ce la dà iema trua lo santo miracoloso iema cerca la grazia ce la fa Santa Michele de Monte sta sotto una montagna e ch'io venenci a bagna e Dio che lo creò. Santa Michele nostra, ci niema lì che è nostra. E se non ci vedi più, paravise ci porti tu, paravise ci porti tu. Paravise è una bella cosa, chi va ce va riposa. Paravise è una bella cosa, chi va ce va riposa. De Virgile à Pétrarque et à Fellini, on constate la permanence dans cette société italienne d'athlètes féminines assez monstrueuses. Il faut ajouter à ces images pittoresques le piquant des catastrophes naturelles. Ainsi, on a prédit une tempête. Pétrarque prend sa plume pour décrire ce qu'il voit, comme Pline naguère, non loin de Naples, décrivit les derniers moments de son oncle. On ne pouvait passer dans les rues sans courir le risque de se noyer. Nous trouvâmes plus de 1000 cavaliers napolitains accourus en même temps que nous de tous les côtés, comme pour assister aux obsèques de leur patrie. Cette troupe brillante me rassurait un peu. Si je péris, disais-je en moi-même, ce sera du moins en bonne compagnie. Dans le temps que je faisais cette réflexion, j'entendis autour de moi un cri terrible. L'eau avait sapé les fondements de l'endroit où nous étions et il commençait à s'écrouler. Nous nous réfugiâmes bien vite dans un lieu plus élevé. Il n'y avait pas moyen de lever les yeux au ciel, la vue humaine ne pouvait pas soutenir ce spectacle effrayant. Entre Naples et Capré, on voyait plus de 1000 montagnes d'eau, formées par le soulèvement des flots. La mer n'était ni bleue, comme dans l'état ordinaire, ni noire, comme dans les grandes tempêtes, l'écume qui la couvrait la faisait paraître blanche. La jeune reine échevelée, nu-pieds, dans le plus grand désordre, sortit de son palais suivie d'une troupe de femmes qui n'étaient pas vêtues plus décemment. Elles allèrent toutes se jeter aux pieds de la Vierge, criant de toute leur force miséricorde. Vers la fin du jour, l'orage cessa. La mer se calma,
et le ciel redevint serein. Sur terre, on en fut quitte pour la peur. Mais il n'en fut pas de même sur mer, où il arriva quelque chose de bien singulier. Des galères de Marseille revenant de Chypre, qui étaient dans le port prêtes à lever l'ancre, furent submergées à nos yeux, sans qu'il fût possible de leur donner le moindre secours. D'autres vaisseaux de toutes nations, encore plus grands, périrent de même au milieu du port, où ils étaient venus chercher un asile. Personne ne se sauva. Il y avait un gros vaisseau où étaient embarqués 400 criminels condamnés à mort, dont on avait commué le supplice, et qu'on gardait pour les exposer comme des enfants perdus à la première expédition qui se ferait en Sicile. Ce vaisseau qui était fort et armé de cuir de bœuf soutint jusqu'au coucher du soleil les assauts que la mer lui livrait. Mais il commençait à s'entr'ouvrir et à faire eau. Les criminels, gens robustes et moins effrayés de la mort qu'ils avaient vue de si près, luttèrent contre les flots et différèrent leur perte jusqu'à la nuit par une manœuvre hardie et vigoureuse. Enfin, voyant qu'il n'y avait plus de ressources et que le vaisseau s'enfonçait, ils gagnèrent le haut pour retarder le moment de leur mort. Mais contre toute espérance, la tempête cessa et ils furent les seuls dans le port de Naples qui se sauvèrent. Mais qu'advient-il de l'or laissé en Avignon? Pétrarque eut des enfants de maîtresses dont il ne dit rien. Mais il ne cesse d'écrire des sonnets à propos de l'or qui, semble-t-il, ne lui accorde même pas une caresse. Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, e il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, e il loco ov'io fui giunto da due begli occhi che legato m'hanno. Bienheureux soit le jour, le mois, l'année, et la saison, le temps, le point et l'heure, le beau pays, le lieu, et la demeure où deux beaux yeux m'ont la teinte donnée. Et bienheureuse est ma peine, ordonnée par le désir d'une joie mal sûre. Bienheureux soit l'arc, les traits, la blessure, et bienheureuse en soi ma destinée. Bienheureux soient tous les pensées et dits, soupirs, désirs et larmes amoureuses, conque au nom de madame rendit. Et soient encore les cartes bienheureuses, où lui acquiert renom et ma pensée qui d'elle seule a pu être blessée.
stato. Thank you.
J'aimais toujours et crois que j'aime encore, et suis d'avis de mieux en mieux aimer ce lieu heureux où, avec pleurs amères, souvent revient quand je le remémore. Cette permanence du sentiment amoureux n'empêche que Pétrarque sent passer le temps. Amor mi manda quel dolce pensiero che secretario antico è fra noi due e mi conforta e dice che non fue mai com'or presto a quel che io bramo e spero. Souvent, amour, ce doux pensée m'envoie qui de nous deux est le vieil secrétaire qui me conforte et dit qu'à mon affaire il pourvoira et que preste est ma joie. Mais par ma foi, ne sais si je le crois, que bien souvent il ment pour me complaire, dont suis suspens et ne sais plus que faire, si doit laisser ou poursuivre la voie. Au fort je passe, et quand bien je me mire dans mon miroir, je vois bien que je tire vers la saison contraire à lui et à moi. Mais suis-je vieille? Aille comme il voudra, que j'a pourtant mon cœur ne dépendra. Bien est-il vrai que c'est un grand émoi. Pétrarque aime un songe, une ombre, une femme qui semble faite de vent, car l'or et l'or, L'A-U-R-E, la brise, et l'or et l'or, L'O-R, le métal précieux, la brillance durable dans un cas ou l'errante fugitive. Beato in sogno è di languir contento d'abbracciar l'ombre e seguir l'aura estiva. Nuoto per mar che non affondo riva, solco onde en ren a fondo e scrivo in vento. Heureux par songe et de languir content, d'embrasser l'ombre et fuir l'aura estive. La noue en mer qui n'a ni fond ni rive. L'eau, je laboure et j'écris sur le vent. Sur sablon fonde. Et tant mon esprit tend à ce soleil qu'il perd vertu si vive
et une biche errante et fugitive je chasse avec un bœuf boiteux et lent. Aveugle et là tout, fort qu'à ma peine, que nuit et jour en tâtant je pourchasse, je crie amour, mort et ma souveraine. Ainsi déjà le 20e an je passe, en marchant d'ampleur et soupir par force de l'hameçon et décevante morse. Avec Dante, les mots de la langue italienne ont tout leur poids. Dante disait même de certains qu'ils étaient chevelus. Avec lui, l'infernal se concrétise. Avec Pétrarque, les mots s'allègent. Le sens des mots semble s'évaporer, comme une eau d'orage sur le sol trop chaud. Et la beauté poétique, c'est le jeu de sa rhétorique dans ce brouillard de chaleur. Quant au poète, lui, il est réduit en cendres. Les cheveux d'or étaient au vent épars, en mille nœuds ralliés doucement, et ses beaux yeux trop démesurément mardés, et or ils me sont si escars. Avec pitié semblait tirer les dards, ne sais si fut trompé mon jugement, mais moi, ayant au cœur poudre et sarment, fut ce grand fait si soudain, je fus hard. À suivre le déroulement de cette vie, on a le sentiment que Pétrarque échappe à toutes les catastrophes, sauf la catastrophe amoureuse. Il se sauve des eaux, des poignards, de la politique, des papes, de l'envie, mais pourtant, il est terriblement frappé, en 1348, par la peste en la personne de l'or. Adieu ce temps que j'ai vécu en flammes. L'or est morte. C'est la deuxième partie du canzoniere. Oime il bel viso, oime il soave sguardo, oime il leggiadro portamente altero, oime il parlar con aspro ingegno e fero facevi umile ed ogni uom vil gagliardo. Las beau visage, hélas le doux regard, las le gai port qui vint tout humain dire, las le parler qui pouvait bien suffire faire un fier humble et un cœur vil gaillard. Las le sourire duquel sortit le dard d'où je n'attends autre bien que martyr. Ô royale âme, et très digne d'empire, si en ce monde on ne t'eût vu si tard. Pour vous convient que je brûle et qu'aussi respire en vous tant je fus vôtre, et si j'en suis privé, tout autre mal m'est rien. Fut le départ de mon vif et seul bien, bien plein d'espoir et désir non frivole, mais l'or, le vent emportait les paroles. Thank you.
Pétrarque a le sentiment de survivre à ses amis. Et il survit alors dans la gloire, dans la renommée. Chose curieuse, cette Laure morte va être beaucoup plus présente auprès de Pétrarque que vivante. Elle est même assez gentille avec lui, très soucieuse soudain de sa douleur. Combien de fois vais-je seule par ces champs, fuyant les gens, et moi, s'il se peut faire, faisant en pleurs ma poitrine défaire et rompant l'air de mes soupirs tranchants. Combien de fois en danger des méchants, par ce désert obscur et solitaire, mon cœur chercha ce que lui soulait plaire, que mort a pris, dont je fais triste chant. Souvent l'ai vu, en forme de déesse, sortir dehors la sorgue, ou en princesse, et là s'asseoir sur verdoyante rive, et puis marcher sur l'herbe fleurissante. Puis vient vers moi comme si était vive, et de mon mal se montre déplaisante. En résumant l'argument d'un chant du Canzoniere pour sa traduction, Vasquin Filleul souligne cette gentillesse de Laure. En ce chant-ci, comme en plusieurs sonnets précédents, notre pauvre déconforté poète, fin comme si sa dame qui était morte, le venait trouver au lit pour le conforter, et des propos qu'ils y tenaient ensemble. Voici la première strophe. Quand mon soif et loyal réconfort se vient asseoir à mon lit sur le bord, pour me donner au cœur quelque repos par ses bénins et avisés propos, je lui demande avec face peureuse, d'où viens-tu or, ô âme bienheureuse? Laure de son sein de palme un bouquet tire, et un tout vert de laurier, puis soupir, édit s'abat, et voulu dévaler de mon séjour et du céleste empire, et je ne viens que pour te consoler. Laure est donc au ciel, et les saints et les saintes, quand ils la virent arriver, ont été ébahis, dit Pétrarque. Il refait à lui seul tout l'itinéraire qui mène de la lyrique occitane, des poèmes d'amour de Bernard de Ventadour ou de Rimbaud de Vaqueiras, au chant que Guiro Riquier adresse à la Donna Estella del Mondo, la Dame étoile du monde. La piété mariale est venue en effet recouvrir l'amour courtois. Et la littérature, ce jour-là, n'a pas fait une affaire. Le dernier poème du Canzoniere est adressé à la Vergine Bella, qui sera mise en musique par Guillaume Dufay. Thank you.
Cette histoire, la transposition de la passion humaine à l'amour mystique, ne s'achève pas avec le XIVe siècle. Les poètes ont trouvé là une façon dont ils ne vont pas se dessaisir de sitôt. On les comprend, ils n'écriront plus désormais sur le sable, mais sur le marbre, car leur morte leur donne l'éternité. Ainsi, le canzoniere est divisé en deux parties, la vie, la mort de l'or. Mais les contemplations de Hugo sont aussi distribuées autour de la tombe de Léopoldine. Et Gisèle. Ce ballet est un ballet en deux actes. Je frémis à relire la phrase de Théophile Gautier à Henri Heine, présentant le second acte de Gisèle. Voilà la jolie morte dont nous avions besoin. Et Lamartine écrivait sur le crucifix et Gautier déshabillait sa momie. À l'aube de la Renaissance, on chante donc de cette manière la femme morte. Et quelle morbidité agissante! Jean de Tournes et Maurice Sève iront en Avignon pour trouver le tombeau de la muse de Pétrarque. Ils iront dans l'église des Cordeliers et voudront s'assurer très concrètement de la présence du corps de l'or. L'abbé de Sade rapporte cette expédition. On trouva d'abord de la terre avec de petits ossements, une mâchoire entière, auprès de laquelle était une boîte de plomb fermée avec un fil de fer. Maurice de Sève l'ouvrit, et il y trouva un parchemin plié et scellé de cire verte avec une médaille de bronze, où l'on voyait d'un côté une petite femme dans l'attitude de se découvrir le sein avec les deux mains, autour, pour légende, ces quatre lettres initiales, MLMJ, de l'autre côté, il n'y avait rien. L'explication de Maurice Sève fut trouvée la plus heureuse, Madonna Laura Morta Iace. À vrai dire, beaucoup plus intéressante est l'attitude de Vasquin Filliol à la même époque, qui traduit tout simplement le canzoniere. Una candida cerva sopra l'erba verde m'apparve con due corna d'oro fra due riviere all'ombra d'una loro levando il sole alla stagione acerba. Je vis un jour sur l'herbette une biche près d'un laurier entre deux grands ruisseaux. Ses cornes d'or, ses yeux étaient plus beaux que le soleil même n'est au mois riche. L'or son regard si fort dans mon cœur fiche que je laissais tout autre pour l'en suivre,
paissant mon mal, ainsi qu'un homme chiche prend douce peine à chercher or ou cuivre. Autour du col, elle avait ce beau dit écrit en or. À tous soit interdit de par César de me nuire ou toucher. Mes yeux étaient fichés à tel édit. Et quand midi ne faisait qu'approcher, tombait dans l'eau, car elle se perdit. Il est une autre passion de Pétrarque, celle qu'il éprouve pour l'Italie. Ses voyages l'y ramènent toujours, mais la passion de Pétrarque pour l'Italie commence peut-être tout près de la fontaine de Vaucluse, avec le goût pour le jardin. Il y a partout où il va un jardin idéal qu'il reconstitue, même à Padoue, à Parme, à Milan, où on lui prête un terrain pour ses expériences. Il plante et il transplante. Il travaille ce petit paysage comme un sonnet. C'est un fragment idéal de Toscane qu'il reproduit comme pour se l'approprier dans son unité. Il y a d'ailleurs identité entre réalité et langage. Pétrarque taille les branches comme le lexique. Et quelle distance existe-t-il entre l'arbre et la femme, entre l'or et le laurier? En tout cas, devant, Pétrarque tremble comme une feuille. Son amour pour l'Italie s'exprime en particulier dans une lettre à Philippe de Vitry. Philippe de Vitry avait un ami prêtre qui se rendait en Italie et il eut l'occasion de dire à ce propos, dans sa correspondance, qu'il craignait pour cet ami cet exil. Pétrarque est très violent. Il déclare au début de cette lettre envoyée à Philippe de Vitry qu'il pense que ses forces commencent à s'affaiblir pour tenir de pareils propos. Puis il développe sa passion. Est-il possible qu'un homme aussi avide de connaissances en tout genre donne le nom d'exil à un voyage en Italie, hors de laquelle tout serait exil si le monde n'était pas la patrie de tout homme qui pense? Voulez-vous que je vous le dise? Le petit pont de Paris a fait trop d'impression sur vous. Vos oreilles sont trop flattées du murmure des eaux de la Seine qui coulent sous ses arches. Vous avez sans doute oublié la réponse de celui à qui on demandait d'où il était. « Je suis cosmopolite, » répondit-il. Pour vous, vous êtes français. On ne peut pas vous le disputer. Et tellement français que vous traitez d'exil tout voyage hors de France, quel qu'en puisse être le motif. Vous plaignez notre maître parce qu'il est sorti de Paris. Est-il possible que vous ne compreniez pas combien il doit être agréable pour lui de voir ces hautes montagnes qui nous servent de barrière, aplanies par le vinaigre carthaginois, et ces champs fertiles de la Gaule cisalpine?
la belle ville de Milan, bâtie par vos ancêtres, Bresse et Vérone qu'ils ont possédées, Padoue, l'ouvrage d'Anténor le Troyen, Venise, la merveille des cités que la mer environne, Trévise, dont les fleuves qui l'entourent font un séjour délicieux dans l'été. C'est dans cette petite ville que notre légat établit pendant quelque temps son séjour, moins pour son plaisir que pour la commodité de ceux qui avaient affaire à lui. Ensuite, ayant franchi les Alpes noriques pour aller apaiser les troubles du Nord, il a parcouru toute la Germanie jusqu'à ce fleuve semblable au Nil qui servait autrefois de limite à l'Empire romain. Revenant ensuite plein de gloire, il s'est arrêté dans cette ville pour transférer le corps du petit Saint-Antoine. Cette cérémonie s'est faite aujourd'hui avec un grand concours. J'y ai assisté, et j'ai admiré la gravité et la bonne grâce de notre prélat dans ses fonctions. Demain, il reprendra sa route, après avoir traversé le roi des fleuves. Il arrivera à Ravenne, la plus ancienne des villes, de là à Rimini, Fano, Pérouse. Enfin, il verra la capitale du monde. On ne doit rien admirer quand on ne l'a pas vue. La puissance du peuple romain rendait autrefois cette ville plus magnifique, plus brillante. Le jubilé qui y est ouvert la rend aujourd'hui plus sainte et plus salutaire. Appelez notre maître exilé tant qu'il vous plaira. Pour moi, je le regarde comme un voyageur fort heureux. Au cœur de l'amour pour l'Italie, il y a bien sûr l'amour pour Rome, qui d'ailleurs peut être mis en parallèle avec celui que Pétrarque éprouve pour l'or. D'abord parce que Roma est un anagramme d'amor, et parce que Rome est une morte qui a 1000 ans, donc une ville universelle. Pétrarque écrit son poème sur l'Afrique dans la langue de cette morte. Et c'est le plus naturellement du monde qu'il bavarde avec saint Augustin. En voyage, il écrit à Cicéron. À quel messager peut-on confier de pareils courriers? Une fois franchis les frontières de cette ville, nous sommes dans l'immortalité. Le temps est aboli. Pétrarque pourtant se préoccupe de l'histoire.
Il rêve d'un pouvoir italien, dans Rome, et il appelle un sauveur, Charles IV de Bohême, le pape, ou Rienzo, tout est bon. Il ne verra rien de cela. Laissons Pétrarque vieillir. Dans les dernières années, cet amoureux d'une femme sans corps va être blessé par la littérature. Cette littérature est tout pour lui. Par exemple, il glisse dans la reliure d'un Virgile pour l'avoir toujours devant lui, le portrait de l'or. Or, dans sa bibliothèque, voici que plusieurs jours de suite, un volume de Cicéron va tomber sur son pied, au même endroit, formant une plaie qui s'infecta et dont il crut bien mourir. C'eût été trop beau. Son entrée dans l'immortalité se fit autrement. La chose d'elle-même arriva en Arca, près de Padoue, dans la nuit du 18 au 19 juillet 1374. Et nous ne savons rien de l'ébahissement des anges à son arrivée au paradis. Reste son testament. La dispersion du Pétrarque terrestre. Lui qui a vécu dans l'idéal et dans les brouillards lumineux, le voilà devant la mort avec une écriture notariale. Premièrement, je recommande humblement à Jésus-Christ mon âme pécheresse, mais implorant la miséricorde divine et espérant en elle. Je veux que ce corps terrestre et mortel, pesant fardeau des âmes nobles, soit restitué à la terre d'où il sort, et cela avec la plus grande simplicité et toute l'abjection possible. Quant au lieu de ma sépulture, je n'y tiens pas beaucoup. Je me contenterai d'être placé partout où il plaira à Dieu et à ceux qui daigneront se charger de ce soin. Si toutefois on désire connaître plus expressément mon intention à cet égard, si je meurs à Padoue, où je suis maintenant, je voudrais être enterré dans l'église qu'occupent les frères prêcheurs, parce que ce lieu me plaît et qu'il contient les restes d'un homme qui m'a beaucoup aimé et dont les tendres prières m'ont attiré dans ce pays. Jacques de Carrare, alors seigneur de Padoue. Je passe à la disposition des autres choses. Comme mon magnifique seigneur de Padoue, susnommé, n'a besoin de rien, par la grâce de Dieu, et que je ne possède rien qui soit digne de lui, je lui laisse mon tableau ou image de la bienheureuse Vierge Marie, œuvre de l'excellent peintre Giotto, qui m'a été donné par mon ami Michel de Vanni de Florence, dont les ignorants ne comprennent pas la beauté, mais qui ravit l'admiration des maîtres de l'art. À maître Donato de Pratovecchio, ancien professeur de grammaire, demeurant actuellement à Venise, j'abandonne et lègue l'argent prêté qu'il me doit. Je ne sais pas quelle est la somme, mais assurément elle est peu importante. Je le tiens quitte de toute obligation à ce titre envers mon héritier. Quant à mes chevaux, si au moment de mon passage j'en ai qui plaisent à Bonzanello de Vigonzia et à Lombard de Serico, concitoyens de Padoue, je veux qu'ils tirent au sort entre eux à qui aura le choix. Au prêtre Jean de Bocchetta, custode de notre église, je lègue mon grand bréviaire que j'ai acheté à Venise pour le prix de 100 livres. À Jean de Certaldo, dit Boccas, je lègue, et je suis véritablement confus de laisser si peu à un si grand homme, 50 florins d'or de Florence afin qu'il s'achète un vêtement d'hiver pour ses études de nuit. À maître Thomas Bambasio de Ferrare, je lègue mon bon luth afin qu'il en joue non pour la vanité du siècle passager,
mais pour la louange du Dieu éternel. Avant de terminer cet écrit, j'ai deux choses à ajouter. Premièrement, à l'égard du coin de terre que je possède au-delà des monts, dans le comtat vénécin, au village ou bourg de Vaucluse, diocèse de Cavaillon, comme il est hors de doute qu'en y allant, ou même en y envoyant quelqu'un, on dépenserait en quelque sorte plus que la chose ne vaut, je veux qu'il appartienne à l'hôpital du dit lieu pour les besoins des pauvres du Christ. Si par hasard quelque loi ou statut empêchait que cela ne se fît, je veux qu'il appartienne aux frères Jean et Pierre, fils de défunt Raymond de Clermont, dit communément Monet, et qui m'a servi avec la plus grande fidélité. Et si les dix frères ou l'un d'eux mourait, je veux que cette terre aille à leur fils ou à leur petit-fils en mémoire du dit Monet. Pour que ce testament, qui est l'expression de mes dernières volontés, fût plus valable, je l'ai écrit de ma propre main, à Padoue, dans la maison de l'église où j'habite, l'an du Seigneur 1370, le 4 avril.